Et plop, les gens, on se retrouve sur Bad Boy, ici Zikino pour les jeux du cygne, le let's play de l'année en pixel art. On en était à l'épisode 9, la flotte marine. Parfait, plus haut je suis dans mon élément là. Il est dangereux ce monsieur. Ok. Ça ressemble à quoi pour le moment? Tennis. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Moi, le jeu, il a pas aimé. Oula. Ok, on ne peut pas balancer les boulets. Une belle gemme, j'ai déjà plus de vie. Peut-être chercher la richesse. Aïe 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 aïe. Ah, en plus le point de sauvegarde était là. Voilà, on a perdu que 2 PV, c'est pas du tout la même. On a plus de sous à aller chercher. Espèce bien mieux. Je rêve ou... Ouais. Il me proposait en fait ce cochon qui m'envoyait des balles de tennis pour... envoie la balle vers le haut, il déclenche ce... Magnifique. Bien d'argent. Oula oula. Thank you.
Je vais sauter trop haut. Comme ça. Oh là là. C'est pas ma vie moi quand je fais du parcours comme ça. C'est gênant. Allez, on descend. Ouf, ouf. Ça, ça va. Ouf, faut pas lui renvoyer. Hop, 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 voilà. De l'aléatoire que le soit fait pousser ici, sinon j'aurais pas regardé hein. La chaleur du soleil est si plaisant et l'odeur sucrée des nuages, la brise printanière dans les cheveux, la houle berçante berçant lentement la coque. Je crois que je vais vomir. Merci. Ouais, hein. À moins que... Comme ça, en fait. J'ai pas besoin de mana. Ok. Oh yeah, yeah. On va arrêter de faire le gris. Importe les sous. Compte, c'est de monter. Quand les sous ne rapportent que un à la fois. Tomber là. Ah, j'avais pas vu la bouée de... La bouée. Ok, bon, on recommence. De quoi? Je suis rentré dans la coque du bateau. Bon. Essayer de monter tout en haut, mais
dire que c'est non. De où ? De où ? Allez, pousse. Ah ! Reste sur le même boulet jusqu'à atteindre l'étage du dessus. Rattrapage. Alors là, par contre, c'est pas de la grille, c'est juste que. Ouh. On a vu la fraise. Donc on attend la fraise. Toujours. J'ai toujours voulu avoir mon propre yacht. Ton rebord y va à 1 à l'heure. Hein. Pas de décevoir, mais il est un peu nul. Ce niveau-là. Je comprenais pas comment monter. Que je vais pas aimer ce passage. Plus 5 home run. D'accord, le truc c'est qu'on peut monter, mais on ne reste pas là-haut. C'est pas clair niveau texture. Est-ce que c'est parce que l'endroit où je suis censé rester, il y a plus de... Il y a plus de contours noirs. Exactement ce que les médecins t'ont prescrit pour ton vertige. Sauter sur les murs. Thank you.
on save fizz et on passe par là. Je sais bien que lui il y avait quelque chose derrière. Oh le petit chien en jetpack. Allez rentre à la maison petit chien. J'avais oublié ça qu'on avait les chiens et les chats à ramener. Et bah heureusement que les canons ont tiré parce que je comprenais pas encore c'était quoi le niveau. On a nos sous. Oh là là. Non, c'est pas ça. Oh. Non, c'était vers le bas. Non. Ah, c'était vers le haut. Bon voilà, on a toutes les pièces, si jamais on doit repasser par là. Ça au moins. On ne devra pas se passer par là. Non mais sous. On a les trois cerises. On loupait tous les sous, fallait recommencer. Strike 9. Fight. Ouais, bon bref. On fait comme ça. Pour avoir les sous. Thank you.
On se reprend. Strike 10. Je les suicide, petit cochon. Il est sous là-haut. C'est plus loin que je n'ai jamais été. Il est sous partout. Oula, non. Reste loin de la mine. Oh là là. Aïe 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 aïe. Faudrait que j'arrête de me suicider dans le vide à chaque fois. Et sinon sur ce niveau, ce qui m'embête le plus, à part chercher les sous qui me tuent à chaque fois, c'est les distances. Qui m'envoient des balles. À distance, j'ai du mal à bien les gérer. Ils sont là, ils sont là. On ne dit pas non à une manne financière telle. Rocket Girl. C'est donc toi, le passager clandestin qui cause tant de raffus par ici. Pas si bête, la tête de linotte. Capitaine tête de linotte, je dirige la plus grande flotte de Stratos. Et vous, vous n'êtes qu'une vaguelette sur le vaste océan. Saki, tu te souviens? En CM1, quand tu m'as défendu contre celui qui me martyrisait. Personne n'osait se dresser contre lui. Personne, sauf toi. Elle a toujours protégé ses amis, peu importe le danger. Aujourd'hui, c'est à moi de te rendre l'appareil. Je vais te protéger de Lord Vicious. À coup de batte dans la tête. Tout ça, c'est du charabia pour me faire oublier que tu n'as pas ton billet. Prépare-toi à passer sur la planche et prie pour que les requins aient déjà mangé. Non mais non, c'était de la triche là.
vais pas réussir à la finir cette phase-ci. Si. Vous voyez que j'avais un PV, mais je voyais plus ses PVL. Pas mal, pas mal du tout. Vous voudriez pas rejoindre mon équipage? On régnerait sur les sept mers. Sans façon, je ne suis pas un perroquet de capitaine. Et toi, beau gosse? Beau gosse? Tu me ferais un bel oiseau. Tu me ferais un bel oiseau avec ta crête de coq. Quoi? Non, merci. L'offre est alléchante, mais nous devons refuser. Dommage. Vous ne me laissez pas le choix. Alors c'est perturbant pour le jeu, même si pour le lore, c'est à peu près logique qu'un tennisman ou une tennisman renvoie la balle à tous les coups, alors qu'un batteur, pas forcément. Tiens, pourquoi il n'y a plus les nuages là? Voilà. Mais non. Oh. Un PV, c'est compliqué. Oh, ça lui a pas fait de dégâts. Parce qu'elle a un PV. Oh là, j'ai perdu 2 PV sur mon dernier. Ça se passe mal comme tous les boss. Ah zut. D'ailleurs, j'ai pas la cassette. Je viens de voir que. Je viens de comprendre que c'est ça le carré blanc au milieu. Et que j'ai pas la cassette de ce niveau. Enfin, je passe en phase 2 avec plus de 1 point de vie. Du coup, la technique n'est plus du tout la même. C'est plus du tout de se dire qu'elle est statique et du coup de mettre ma batte mince là où elle est, c'est de lui sauter dessus comme n'importe quel ennemi. Sauf que du coup, elle a l'air de bouger. Elle a disparu. Why? De PV. Un PV. Oh, en lui renvoyant une balle, je pensais que c'était. Ça ne fonctionnait pas, elle a renvoyé toutes.
Ryosuke, c'est bien toi? Saki, je suis si content que tu sois redevenu normal. C'est pas le terme content que j'aurais employé, perso. Chut, tout va bien, Saki? Je crois, mais ce vil mage ne perd rien pour attendre. Tu vas le faire payer, et pour ça, tu vas utiliser ma technique. Est-ce qu'elle va nous donner des bombes ou la possibilité d'envoyer nous-mêmes nos balles? Effectue un méga smash en appuyant sur bas. D'accord. C'est pas facile, hein. Je peux contrôler où ça va. Un méga smash en l'air fonctionne presque comme un double saut. Le bon endroit pour faire un méga smash et activer ce levier. Ouais, mais pourquoi? Mais. Le problème, c'est pas ta technique, c'est que la plateforme elle vient d'un endroit invisible et. J'ai pas le temps de me prendre. Essaie de rester en l'air assez longtemps pour éviter les pics. Ah, ça me plaît. Oh, presque. Bravo Ryosuke. C'est comme ça qu'on fait le niveau flotte marine. Il nous reste le palais d'ivoire. Est-ce que c'est le 10e et dernier niveau? Réponse au prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.